Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Master of Orion. On reprend donc là, on a été une nouvelle colonie. Hein. Incroyable, c'est tellement bien, tellement magique. Certains diraient même tellement biotechnologique. Et si tu venais par exemple ici, toi mon ami, bloquer un peu cette zone là. Je sais jamais, c'est pas perdu, vois-tu. Vois-tu, ce n'est pas perdu. Alors. Vous êtes nombreux, vous, ici, hein. Vraiment, c'est vraiment le nombre qui est impressionnant. Mais vous n'êtes pas encore assez nombreux, à mon goût. Ça reste en deux tours. Deux tours. Attends, dis donc. Ah, trois tours, quand même. Bon, je me suis dit, là, il y a quand même. Très bien. Alors, ici. En pollution, on est limite. Vous êtes presque à votre population maximale, donc ça, c'est une bonne chose. Très, très bonne chose. Si on nettoyait un peu en pollution, attendez qu'on a encore accueillir quelques gars. Je dirais que c'est pas déconnant. Et ici, t'es toute neuve, ma grande. Hein. Tout beau, tout neuf. Waouh. Nouvelle planète où faut tout acheter. C'est formidable. Un labo lunaire. Comme quoi, avoir une lune, c'est vraiment cool. Labo lunaire, hein, plus 6 de recherche. En plus. Vu qu'elle est terrienne, océanique ou idyllique, elle peut avoir le petit refroidissement balnéaire. Plus 3, c'est pas dégueu. Alors quand même, naturellement, enfin, juste avec les infrastructures, hein, sans personne qui fait de recherche, enfin, signé à la recherche, on fait quand même du plus 11. C'est pas dégueu du tout. Alors, on va aller directement là, on va l'acheter tout de suite. Voilà. Je mise tout de suite sur la prod. Un petit peu, même si je ferais mieux de d'abord payer la bouffe, tant qu'à faire. Sauf que le robot mineur, c'est vraiment pété. Bah, c'est plus simple sur les cases, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ce qui m'intéresserait... gravité normale. Pas dégueu non plus comme planète. Surtout pour ce qui est de faire du cash. Croissance démographique. Oui, vas-y. Vas-y. Alors, contrat avec les Élériens et pacte commercial. Hein ? Ah oui, payer tous les. Ok, tout. Ok. Audience. Que dis-tu d'un petit pacto commercial ? Attendez, je recoupe mon micro. Hein. What is your proposal? Goodbye then. Voilà, c'était les pompiers. C'était bien. C'était bien. Donc on a à nouveau un pacte avec elle. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Je n'ai pas encore les robots mineurs ici. Peut-être intéressant de les prendre maintenant. Je n'ai pas encore ça non plus. Ça peut être très intéressant de le prendre. Faites ça d'abord. Parce que de toute façon, si vous êtes trop nombreux, je vais en expédier un en vaisseau spatial, hein, aller coloniser un truc. Genre ça. C'est du polaire. Genre celle-là. Celle-là est pas mal, à part qu'elle est minuscule, faible gravité, mais elle avance toute seule. C'est la colonie qui avance toute seule. C'est des cases de bouffe à 4, c'est des cases de prod à 4 aussi. C'est du bonheur en barre. Alors, ici, vous êtes que 3, donc l'assistance gouvernementale n'est pas nécessaire. Les robots mineurs, c'est parti, 18 tours, c'est trop long, je l'achète. Voilà. Et toi, du coup, il nous reste normalement largement assez pour t'acheter une petite ferme hydroponique. Paf, go, c'est parti. Voilà. Et c'est très bien, et j'ai pu payer pour tout le monde. Enfin, les trucs les plus importants, les plus clés. C'est toujours tes vaisseaux nuls, ça, de base. T'as toujours une flotte de vaisseaux nuls. C'est d'ailleurs très moche, tes vaisseaux. Ça ne ressemble pas à des gros pâtés. Nous, c'est des gros pâtés, c'est joli. C'est joli, les gros pâtés. Non, c'est pas... Tout le monde n'a pas l'air d'être d'accord avec cette idée. On a quoi? Vaisseau colonial, éclaireur... Frégate, destroyer. Ah oui, oh, t'es à la ramasse. Hein. Oui, d'accord, j'ai pas beaucoup de vaisseaux, mais militairement, je suis peut-être un peu moins à la ramasse quand même.
On est revenu à 4 de... Faut arrêter de polluer, les gars. Faut vraiment arrêter. À un moment donné, faut se calmer. Faut relâcher la pression, les gars. Relâcher la pression un peu. Voilà, c'est bien. Parce qu'on est quand même à 40, là. C'est quand même pas... C'est pas sérieux, les mecs. Restez sérieux, un peu. Déconnez pas trop. Vous aurez droit à votre terraformation, vous, encore, ou pas? Non, vous avez pas encore droit à votre terraformation. D'accord. Très bien. Très très bien. Je comprends ce que vous voulez me dire. SiteCut, vous allez être au maximum incessamment sous peu. Sur SiteCut 2, à nouveau, again, j'ai envie de dire. Est-ce que quelque part, vous êtes à 100% de morale. Je ne vous utiliserai bien comme planète colonisatrice des environs. Ça me paraît être la meilleure idée. Faites-moi un peu de pognon. Parce que moins 7 quand même, là, je viens de voir, les gars. Hein. C'est pas sérieux, ça. Moins 7, c'est pas cool. J'ai assez d'argent pour t'acheter, toi. Ah oui, d'ailleurs, on fait pas du 11, on fait du 12 de recherche nue, puisque ça, justement, ça fournit un de bouffe et un de recherche. Eh ouais, ce qui est pas rien. 12, 100 mètres personnes dans la recherche, c'est déjà beaucoup, puisque les meilleures cases qu'on peut avoir, c'est du 4. Avec le boost, c'est du 4, je crois. Genre si je l'ai que sur Gnoll, à moins qu'après ce soit des océaniques ou des trucs comme ça, je crois, qui ont peut-être un peu plus. Et encore, je suis même pas sûr que tu peux avoir plus de 4. On va vérifier ça de toute façon. Mais ça veut dire que ça fait quand même 3 citoyens. Hein. Les bâtiments tout seuls font le taf de 3 citoyens. Regarde, je suis qu'à 4. Enfin, je suis qu'à 4. C'est déjà bien, vous me direz. C'est 4. La recherche. Je crois que c'est pareil chez tout le monde d'ailleurs. Hein. À partir du moment que t'es pas une planète lourde ou toxique ou machin, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Tu peux défendre la zone. Qu'est-ce qui se passe encore chez vous? C'est bon, vous polluez plus là, c'est cool. On est cool. On est cool ou on est cool? On est cool. On est cool pour l'instant. Et vous allez arriver au maximum de votre populace. Intéressant ça. C'est très intéressant ça. Faites ça. Parce que vous êtes encore moins 13 en pollution, donc vous pouvez permettre d'avoir un peu plus de prod. Toi petit bonhomme. Plus de partout, quoi. J'achète. Ah, lui, il vit grâce au moult dollars. Alors là, je suis d'accord qu'en fait, pour être constructif dans ma démarche, il aurait fallu que je lui achète la fameuse structure qui me coûte 3 crédits par tour, mais qui réduit de 20% tous mes achats. Parce qu'effectivement, en crédit, j'en ai beaucoup. Le problème, c'est que cette plateforme-là, je l'aurais acheté aussi. Donc... finalement, je m'y serais à peine retrouvé pour juste la virer derrière, quoi. C'est là où t'achètes sur les planètes. Soit elle a son utilité, effectivement, genre dans la capitale, ou dans les grosses planètes, où tu sais que tu vas avoir tendance à acheter les vaisseaux, etc. Et tu te dis, bon, là, ça peut être un investissement à peu près viable, au moins amorti. Sinon, ça vaut pas le coup. En vrai, ça vaut tellement pas le coup comme structure. Allez. C'est acheté, monsieur, c'est acheté. C'est acté. Voilà, multo pognonos. Du pognon, du bonbon pognon partout. Pelui de pognon. Oui, choisir une construction à nouveau. Construction tous les tours, décidément. Le plus simple par cellule, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'à partir de là, c'est vraiment nécessaire de payer, hein? Clairement, non. Je dirais que non. Je dirais que tu peux te lancer. On est à quoi? Des cases de 3 de prod. Oh, ce serait pas sale. Ça ferait le premier ingé à... Allez, on a dit qu'on payait. On a dit qu'on payait. On paye. Vas-y, je paye. Je donne de l'argent. Prends l'argent.
Putain, par contre, si que tu deux là, elles croient à une vitesse. Ça te donne le vertige un peu. Hein. Avec sa petite lune. La petite lune de l'argent. Du laboratoire de recherche. D'ailleurs, la prochaine que je colonise, c'est laquelle? Gravité normale, mais du pognon. Et 9. Gravité normale, et pas de pognon, et 9. Donc, ce sera... on sait qui ce sera. Vous faites ça à fond les manettes. À deux tours. Ok, j'ai rien dit. Ok, bah à fond les manettes. Plus de blindage. Plus de blindage. Moi, je suis très fan du blindage. Hein. C'est vraiment... Oh ouais, tout est prospect. Oula, oula, ça rame du cul, monsieur. Ça rame le cul, monsieur l'agent. Arrêtez ça. Faux. Ouais, c'est toujours les portails de saut. Je suis toujours en train de les regarder, j'en veux toujours pas. Et de toute façon, t'as déjà des technologies, t'as déjà tes ordres, monsieur. Améliore tout le monde. Pouf. Ah, tu peux faire un épurateur de pollution, là. Comme ça, genre au déboté. Un petit épurateur de pollution. Pas déconnant. Et je te l'achète même d'ailleurs. Touk, pas toi. Officier, s'il vous plaît. J'en ai un qui est au chum du et qui fout rien. S'il vous plaît. Acnol 2. Voilà, sur le destroyer 11. Terminé. Et envoyer ses pesées. On va t'envoyer où? Si on t'envoyait par là, genre. Genre comme ça, j'ai vraiment deux croiseurs de chaque côté d'ailleurs. Tiens, bougez un peu, vous. Allez voir un peu ce qui se passe ici et là. Ça va être intéressant. Grosse croissance. Ah bah ça y est, ça a décollé à Parma 4. Enfin. Enfin. C'est pas trop tôt. Tu as toutes les structures de morale nécessaires à ton bon fonctionnement. C'est parfait. Voilà, t'as un moins 9 en pollution, donc c'est bon. Parma 4 toujours en moins 2, ça descend tranquillement, mais sûrement. Ça y va, ça y va, ça y va. Choisis une construction chez toi. Je t'en mange pas. Hein. Ça, c'est quand même assez catastrophique chez vous, hein, les gars. Truc gouvernemental, vous allez pouvoir être 11, donc de toute façon, à un moment donné ou un autre, il faudra le faire. Ça prend que 3 tours, faisons-le. Alors, idéalement, il faudrait que je repousse pour économiser un ou deux crédits là par tour. Là, je sais plus combien c'est. Je crois que c'est 2 crédits le machin. Non, c'est un crédit. Bon, voilà, je suis pas. Je suis plus à ça près, avec la méga structure que j'ai. On est où ici? On est à moins 14, tu coûtes une véritable fortune. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, il n'y a plus besoin de payer, là, il n'y a plus qu'à attendre que de croître. Je vous ai acheté tous les bâtiments clés. Vous pouvez croître tranquillement, il n'y a pas de terraformation programmée, il est tout seul. Il n'y a aucune structure qui ne presse. Il n'y a pas de souci. On peut prendre le temps de faire toutes ces constructions. Normal 5 et normal 5 toutes les deux. J'aime et rien du tout. Et les deux sont toxiques. Très riches en minéraux. D'accord. Ok. Acnol 2. Acnol 2, on a fini ce qu'on avait à faire. Ben on reprend nos bons vieux crédits. Bah ouais. Pas de raison. Hop. Reprend, reprend la fabrication de pognon. Wow, tu fabriques vraiment beaucoup de pognon. Genre si je te demande par exemple de faire, je sais pas, autre chose. Genre ça. Je suis à 607. Par contre, si je te demande de faire ça, 630. Fait 30 balles de plus par tour, c'est quand même pas... ça se moque pas de la tête du monde. Le zéro pollution à Varak 3, en sachant qu'on est à 8 de base. Arrêtez de déconner, faites des dépollueurs. Arrêtez de polluer. Arrêtez ça. Arrêtez, vous êtes trop fan, je le sens. Ah, Mazok. Ça y est, c'est Bulrat. Ah, c'est Bulratique. C'est... waouh. Je suis chez toi maintenant. Officiel. Et tu m'envoies des vaisseaux, genre.
Genre, t'as peur. Ah, Ursa Prime était juste là. J'ai jamais fait gaffe, hein, j'avoue. La capitale des mecs. Elle est là, mes clans. Ah ouais, vous êtes côte-côte aussi. On est tous un peu côte-côte, en fait. Parce qu'on est joueur max. On est au nombre maximal de joueurs. Donc je devine que les Psylons vont traîner quelque part par là. Je suppose. Parce qu'à première vue, là-bas, c'est mon pote Caillou. Mais je le vois, je vois toujours pas ces trucs, d'ailleurs. Toujours pas. Shield 2 a grandi, ok. Très bien. D'ailleurs, elle a grandi, mais elle ne grandit plus. Comment se fait-ce? Se fait-ce que... Ah oui, c'est la grève. C'est la bonne grève. C'est la bonne grève. Du coup, fais demi-tour. L'usine spatiale, puisque tu ne sers à rien, ma bonne amie. Est-ce que tu peux venir ici mettre quand même une vraie frontière face à ce monsieur? Ok, tout le monde peut se déplacer. Faites votre taf pendant que je bois mon café encore chaud. Encore chaud pour l'instant. Tellement l'impression de traîner la patte en techno. Ce qui ne serait pas tout à fait faux d'ailleurs. Je suis pas fou dingue en technologie. Le vol éclair, j'ai volé une technologie au mec. Le baraquement de blindé. Ah oui, c'est vrai que je peux te voler aussi une technologie que j'ai pas choisi de prendre. Nice, nice, nice. Oui, vas-y, terminé. D'accord. Du coup, vol de technologie, c'est toujours faible. Hein. Mais je t'enverrai bien. Bah, tant que c'est faible. Hein. J'ai envie de dire, mon vieux, tant que c'est faible. Vol de techno, ce serait dommage de ne pas en profiter. Trop de pollution. Hein. Trop de pollution tue la pollution, les gars. Vous êtes combien, hein? 15 sur 16. Oh là, ça croît vite, hein, cette affaire. Ah, c'est les cochons, ça y va. Hein. Ça y va en cochonnerie, ouais. C'est pas décollant. Hein. Cher. Vous êtes que 3. Vous êtes que 3 et j'avoue, lancer votre terraformation à 3, c'est presque rigolo de le dire. Et il y en aurait pour 45 tours. Mais si vous la faites pas, vous n'avancerez jamais. Donc bah allez-y. Appuisez-vous bien les mecs. Il hein. Y a encore une croissance. 20 tours, 14 tours. 35. Ouais, vas-y. Tout sur la terraformation, les gars. À fond. À fond sur la terraformation. On mise tout dessus. Alors, échelle 2, ils sont au max. Ils ont un chômeur. Et vous faites quoi, vous? Robot mineur, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ça marche. On va peut-être me former un deuxième espion. Recruter Bravo. 8 tours pour l'entraîner. Ça marche. Et ça coûte cher, les espions. Faut pas l'oublier. Oui, tu es tout seul ici. Ah oui, mais il va s'écraser contre... J'ai rien dit. Il va s'écraser contre... par contre, il va s'écraser contre... Oui, mais... Mais tu peux aller leur piquer leur planète. Donc... Vas-y, viens voir. Vas-y, viens voir, je vais te montrer un truc magique. Et là, tu fais le robot mineur... Je tentais de l'acheter, bon, j'ai un peu d'oseille, vas-y achète-le. Comme ça je vous achète un vaisseau colon et je peux tout de suite faire bouger les gars. Ça me va aussi. Heureusement que j'intéresse pas les Antariens quand même, hein, parce que là avec mon absence de flotte complète, heureusement que j'intéresse personne. C'est plutôt une bonne chose.
c'est plutôt une bonne chose. L'autostyle détecté. Oui, bon. Non, incroyable. Ah, c'est vrai. Oh, les mecs, les vérités de la palisse et de la palissade, quoi. Oui. Oui ou non. Est-ce qu'on n'a plus aucune croissance démarre, achète. Vas-y. J'avais dit que je virais le chômeur, je vais le virer. Ok. Très bien. Alors ici. On fait du moins 10 maintenant. Ah, on discute. Le baraquement de blindés. Oui, non, mais non, je vais pas payer pour ça. Non, mais t'es fou. Non, mais ça va pas, non. Le mec est dingue. Paf. En termes de population, on en est où, là? Ah oui, 12 sur 13. Alors, on en attend encore un. Donc là, on est à 9. 8. Ça changerait pour les autres. Ok, bon, vas-y, continue comme ça. Ça fait encore moins de pollution. On retombe à 0 en pollution. Dès que possible. Et tu fais quoi, là? L'épurateur de pollution. Ouais. Bon, il serait peut-être temps, parce que... Décidément, tu veux pas te débarrasser de ta pollution. Ils aiment les pots d'échappement. C'est un choix. Préfère rouler gasoil, ça pollue plus, mais ça leur coûte moins cher. Ce qu'on appelle ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Ah, l'altruisme est devenu si difficile de nos jours. C'est rigolo. Dixit, le mec qui fait tourner un PC qui est ultra pollue, du coup en utilisant un PC, mais bon. Ça s'appelle l'hôpital qui se moque de la charité, non? 16 sur 16, 16 sur 16. On est où là? Par avec 2. Bon, voilà. Ah bah oui, non, il faut redescendre en pollution. Et on gagne déjà 2 de trop. Ferme hydroponique. Recycle. Et on est à 0. Elle est comme la capitale, elle a atteint son maximum potentiel officiel. Avec son joli bouclier. Petit bouclier. Petit bouclier, hein. Ok, très bien. Alors ici, vous avez fait le vaisseau colon, je suppose. Je suppose que vous venez de le terminer. Vous pourriez faire l'holo simulateur, puisque vous avez quand même une bonne croissance, les gars. C'est-à-dire, dès que je vire le gars, la croissance, elle est complètement là. Ce n'est pas déconnant. En plus, vous allez faire trop de pollution... Ouais, faites ça déjà. Ouais, après, on verra. Faites déjà ça. Chez vous. Oh, vous êtes plafonné à 16, c'est déjà la crise, il y en a déjà un qui est en grève. Sérieusement? Non, mais vraiment? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est vraiment sérieux? Ouais, viens ici, toi. 5 tours. Vous me foutez la honte. Achète-moi ça. Il faut leur prendre de la prod, sinon on n'avancera jamais. Donc, ça, ok. Cette planète-là, non, de toute façon, ne m'intéressait pas. Celle-là, c'est normal. Ça, c'est une faible gravité. Mais ça, c'est une faible gravité avec de l'or. Ouais, chez moi, les choix, ils sont vite faits. Le mec a dit pognon. J'ai fait oui, c'est moi. On parle de moi. Mon objectif, c'est que toutes les pièces et tous les billets dans cet univers soient frappés de la tête du cochon. Du sanglier, comme vous voulez. T'es sûr de ton coup, mec? C'est pas une bonne idée d'aller par là. Hein. Parmac 2 a perdu de la population à cause d'une famine. Parmac 2 qui était au maximum de sa population. C'est génial, voilà, ramenez-vous là. Ramenez-vous par là, là. Revenez au maximum pop, voilà. Ça sera très bien. Ah oui, mais t'as trop de pollution. Quoique le fameux moins 6, de 2 a déjà grandi. Encore? Calmez-vous. Ok. Bon bah c'est très bien. Tac. Arc 2.
Oui, je vous ai remis de la prod pour vous faire bouger un peu. Je vais vous donner de la bouffe pour vous faire bouger un peu. Ah oui, vous êtes en crise socio-économique déjà. 70% de bonheur sur 4, il y en a déjà un au chômage, quoi. On n'a pas le même sens des statistiques. Par Mac 2, ouais, on est au courant. Faut qu'il parte sa pollution par Mac 2. Hein. C'est le truc qui les empoisonne, quoi. Pendant que deux petits vaisseaux pirates vont venir s'exploser contre une base stellaire, contre un avant-poste. Excusez, je recoupe mon micro. Ça fait longtemps que j'ai pas un traité qui m'a annoncé que c'était terminé, là, pacte commercial. Hein, c'est bon, ça roule avec tout le monde, ok, ça roule. J'aurais presque envie de faire un éclaireur pour le renvoyer à l'autre bout de la galaxie et découvrir les peuples qui me manquent. Je connais quelqu'un qui approuverait ce choix. Et je vais faire ça à Gnoll. Gnoll, genre si je te mets là, on passe à moins 1 de pollution, c'est bien. Ça me va très bien, ça me va très bien. Le caserne de blindés en vrai n'est pas utile à l'endroit où tu es, t'as tellement de défense autour de toi que ça me ferait bien rire que ça te tombe dessus. Et si c'est les Antariens, de toute façon, s'ils bombardent, ils se posent pas sur les planètes. Ils jettent des cailloux dessus. Voilà, un éclaireur en un tour, ça fait toujours plaisir. Ici, on génère de la pollution, ça c'est pas bien. Pas bien. C'est le mal, ça. Hein. Générer la pollution, c'est le mal, les gars. Plus un par cellule. On a des scientifiques, on en a zéro pour l'instant. Mais c'est pour l'instant. On peut aller au scanner à des... Oh, bah le port spatial. Pourquoi je discute, ouais. Je vais recouper mon micro, hein. Désolé, hein. En fait, faut tellement que je prenne ce secteur. J'y avais tellement pas pensé, mais il faut tellement que je prenne ce secteur. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, ah, tu fais pas ça. Hein. Excuse-moi. Excusez-moi, monsieur, mais en fait, vous allez me faire ça tout de suite. Et vous allez l'acheter tout de suite, monsieur. Go. Envoyez-moi un concitoyen en urgence. J'ai besoin de coloniser ce secteur près de l'homme ours là, même s'il va me dire non, colonise pas, blé. Et le gars, il a colonisé Mazo 2, ça l'a pas dérangé, donc ça me dérangera pas tellement. Mais il va quand même essayer la négoce, hein. Je veux dire, moi, on m'annonce pas que. Ça, je trouve ça toujours un peu déséquilibré dans les jeux. Pacte de libre circulation. Tu veux vraiment ça? J'accepte. Même si là, l'espionnage va exploser. Hein. Bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai pas encore cliqué sur le bouton, hein, de faire tout péter, quoi. Attends, normalement, tu fais ça quand je cliquais sur le bouton. Sinon. Remarque, l'extraction de données est interdite au sein des réseaux Meklar. Vos sondes doivent être retirées. Retirez vos espions. Ah oui! J'accepte. Tu t'es fait choper. Ok. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Mon pote Caillou, s'il te plaît. Bonjour. Centre de clonage, capsule de combat, scanner, centre de xénocontrôle, formation télépathique, chantier orbital. Ajouter la proposition et je vais te faire un échange technologique du même genre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ajouter la proposition. Proposer.
This one decline. Et la bombe. This one would accept. Ça me va. On partage les technologies, on rigole pas. Alors, mon pacte commercial avec toi, je viens de le renouveler, a été parlé Méclar. Diplomatie, Méclar. Je vais... Voilà, bref. Rends-moi mon gars STP. Alors, échange de prisonniers, rends-moi Alpha. Ah, c'est Alpha que t'as chopé carrément. Ah ouais. Et en échange, je te donne genre la microbiologie. Qu'est-ce que t'en penses? Proposé. Tu es une théière. Proposé. We are overjoyed. Moi aussi, je suis content. Passe une bonne journée. Bon. Alpha, tu t'es fait coincer sur une mission facile, quoi. Genre, le mec, il est niveau 5, quoi. S'il te plaît. Le mec est niveau 5, quoi. Sérieusement, c'était vraiment possible que ça arrive un jour. Le cuirassé est arrivé, sans se presser, terminé. C'est trop bien. Ah, je viens de faire un échange avec le pote Caillou sur une technologie que je viens d'acquérir. Ouais, je sais, je suis un génie. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ouais, je vais prendre ça. Parfait. Tac, 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 tac. Choisir une construction. On est à Gnoll 2. Ok. Gnoll 2, bien sûr, tu vas nous faire ça. Ça va de soi. Entretien 5, ça va nous coûter un petit bras. Go, c'est parti. Voilà. Vous êtes en train de croître tranquillement, mais très sûrement. Et très sereinement. Ah oui, je viens de vous demander de faire un colon en urgence. C'était ça, hein. Varak 3, vous aviez fait un colon, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et je veux que tu viennes coloniser tout de suite cette planète. Parce que c'est une faible gravité. Et je pourrais aussi te demander de très rapidement me refaire un autre colon. Alors toi, je te dirais bien auto, mais auto pas du tout. Hein. Auto pas du tout, genre il y a des points de défense par là. Je crois qu'il y a Bulrat qui est par ici. Viens voir par là. Genre viens voir, genre. Reviens visiter ces coins-là. J'ai des flottes qui attendent toujours des ordres, donc toi, oui, t'es un croiseur, bah, tu viens ici. Et puis, tu défends la zone. Ça va être à nouveau la période où je vais pas trop me faire des amis, hein. C'est l'âge des petites trahisons, c'est l'âge des petits coups de couteau dans le dos. Il me sort une flotte. Pourquoi elle a disparu, sa flotte? Non mais lol, pourquoi? Au secours. Bon, les flottes disparaissent comme ça maintenant, c'est possible? Je me rappelle pas que ça pouvait arriver. Je suis pas au courant. On me prévient pas, moi aussi. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Toi, vers Zubana, tu n'es pas nécessaire. Recycle-toi. Je te recycle maintenant. Je vais passer me faire de vraies économies, mais si j'en ai pas besoin, je te recycle en fait. Hein. C'est vraiment une question de principe. Ça, c'est un vaisseau colonial qui se déplace, très bien. Je sais pas, déplacez-vous là. Tu vas dans quel sens? Tu vas dans l'autre, tu vas de l'autre côté, ok. Ok, très bien. Alors ici, vous êtes 8 sur 12 en bouffe, c'est pas dingue. Mais alors, c'est pas dingue de chez pas dingue. Ça, c'est un tour, c'est gratuit, donc tu prends. Voilà. Ici, on est au zéro pollution de l'équilibre absolu. Chantier orbital. Ah ouais? Ah ouais. 9. Calme-toi, bonhomme. Il y a plein de choses que vous n'avez jamais faites ici. Hein. C'est. Genre, ça, quand même, c'est pas fait de base. Quand même, un peu louche, les gars. On va pas se mentir. C'est louche. Je me suis pas occupé de vous pendant longtemps, ou alors je vous ai filé un chantier à faire sur des siècles et des années, ce qui est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus. Ah, c'est pas vous que j'avais refourgué une terraformation? Ah ben non, c'est eux que j'ai refourgué une terraformation qui ne se terminera jamais. Terraformation éternelle.
Oh, super, l'autre qui est déjà là. C'est très cool. Ah, vous êtes tous en plus en prod, full prodos, full pradas, c'est bien. Je rien d'autre à ajouter. Bon courage les mecs, amusez-vous bien. Plus que 27 tours, c'est bien, on y croit. Tu pollues. Tu pollues. Vous polluez trop. Il va falloir cesser de polluer. Tu pollues trop, va-t'en. Vous ne polluez pas, continuez. C'est votre projet, ne l'oubliez jamais. C'est tout ce que vous avez toujours rêvé. Ouais, vous devez me faire ça. Ça me paraît bien. 11 tours, 16 tours, waouh. Vas-y, fais ça. Ça arrive, les vaisseaux colons arrivent. De nouvelles colonies dans cet épisode. Juste pour vous, voilà, c'est mon cadeau. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait franchement plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi, parce que si ça vous fait pas plaisir, bah ça me fait pareil. Voilà. Et n'oubliez pas un 10 000 pouces bleus pour avoir l'épisode sur... Ah, il y a vraiment de la merde sur YouTube, c'est quand même génial. Même sur Twitch, tout ça. Il y a des gens vraiment qui ont pas de race. Hein. Non, parce que moi, je sais que je suis un fumier, mais enfin, quand même, ça va, quoi. Je suis un fumier, mais ça va. Vous êtes tous les deux en contre-espionnage, non? Bah, un filtre à un empire. Je crois qu'on a déjà visité chez mon pote Caillou. Tu vas chez le Bulrat. Et toi, tu vas chez... pote Caillou, je l'ai toujours... Je le vois pas. Donc, justement... oui, choisir. Le pote Caillou. Je sais toujours pas comment c'est. Et toi, tu restes en contre-espionnage. T'es très bien. Très bien. Excellente idée. Pacte commercial, justement, avec mon pote le Bulrat, ici. Le pote qui a trop de poils. The galaxy seems brighter with you. Pas trop de cheveux. My friend. Yes. Ok. Qu'est-ce que... Il te manque du pognon, mon vieux. Tu veux un peu de pognon? Allez, vraiment, vraiment, parce que ça me fait plaisir. Essayons déjà avec 200 crêtes, parce que, en fait, que je vous en donne beaucoup ou pas, ça change quasiment pas votre disposition. Yes. Voilà. Voilà, très aimable. Que penses-tu d'un pacte de sien permet à votre race de pénétrer dans le territoire de l'autre sans craindre de représailles? Avec un pacte... retour. Pacte de libre circulation. Proposé. You overstep your boundary. Tu peux passer vos droits. Tu veux le baraquement blindé? Vas-y. Prends. Prends mon poteau. It is an honor. Bah, vas-y. Salut Hugo. Salut mon gros. Et bien ça se passe bien. Donc voilà, c'est un pack qui m'a rapporté 1550 la dernière fois pour ce que j'ai claqué dedans. Ça va. C'est rentable. C'est fortement rentable. Alors je crois que voilà. Moult colonies qui se présentent à nous. Paf. Colonise. Ok, nickel. Très bien. Magnifique. Que demande le peuple? Achète-moi ça. Vous avez commencé par manger. Ça va être bien. Vous allez voir. C'est vraiment un super projet. Vous me direz merci plus tard. Toujours zéro pollution absolue, les gars. Ça, c'est bien. Hein. C'est toujours tenir un équilibre aussi parfait. C'est quand même assez impressionnant. Je vais quand même faire ça. Voilà. Parce que je pense que c'est bien. C'est une bonne explication, je crois. Parce que je pense que c'est bien. Oui. Oui, oui, même si vous n'êtes que deux, vous allez être bientôt beaucoup plus nombreux. Parce que je vous mets en full bouffe. Amusez-vous bien. Ça, c'est cool. Lui, c'est payé. Lui, il va se faire un pirate. Normalement, j'en ai un deuxième qui doit arriver sur colonie. Pas ce tour-ci. Au prochain tour. Et là, il va pas aimer. Et là, je vous le certifie, il va pas aimer. I have a proposition for you. Tu me donnes un truc d'enrichissement du sol, là. Nourriture par cellule, contre la bombe à fusion. Mais mon pote,
Mais t'es mon pote, quoi. Comment pourrais-je te refuser, voilà. Finalement, franchement, voilà. J'espère que je suis très clair dans mes explications. Parce que j'essaie vraiment de trouver les mots pour que vous puissiez suivre. C'est pas toujours évident. Pacte commercial avec les Mektong. Alors les Mektong. Yo Mektong. Restons polis. Énoncez votre requête. Pacte commercial. Toi je te donnerai pas la libre circulation. C'est vrai que je t'aime pas mon pote mais... Je crois que je l'ai déjà en plus la libre circulation avec toi. Non, non-agression. J'ai le non-agression. J'ai le non-agression avec tout le monde, non? Ouais. Et libre de circulation avec les Lériens. Et toi? Je l'ai pas avec le pote caillou. Je pourrais avec le pote caillou. Parce que lui, ce qui intéresse, c'est surtout les mondes volcaniques. Je pourrais... une autre fois. Mais on pourra. C'est pas... c'est pas quelque chose qui se refuse. Youpi! Pouf! Ah, une planète grosse flaque de vase, mais c'est ma grosse flaque de vase. Ne l'oubliez jamais. C'est ma grosse flaque de vase. Merde. Vas-y, paye-toi ça, paye-toi du luxe. Surtout, n'hésite pas. Ensuite, effectivement, vous... qu'est-ce qui pourrait nous intéresser à votre niveau? Alors, vous faites du moins 1 en pollution seulement. Seulement. D'ailleurs, je suis assez étonné. J'ai bien envie de vous dire polluer plus, bande de fous. Pauvre fou, vous ne polluez pas assez. Une enrichissement du sol, 3 crédits d'entretien. Allez, go. Ça, c'est le genre de bâtiment qui peut tout changer. Par exemple. Par exemple, si je vais à la capitale. Admettons la capitale. On a 3 mecs qui travaillent dessus. Si je l'enlève lui, il manque 3 de bouffe. On est d'accord. C'est ça, c'est moins 3. Hein. Moins 3. Si je fais de l'enrichissement du sol, je gagne plus 1 sur chacune de mes cases. Ce qui sera pas suffisant, mais je peux reconstruire la ferme hydroponique et faire sauter éventuellement un autre bâtiment. Dans mon cas, ça m'intéresse pas, puisque la petite ferme que je pourrais faire sauter... genre... je crois que c'est la biosphère. Voilà, elle apporte aussi 1 de recherche. Donc c'est presque dommage de la faire sauter. Alors, je suis en train de voir par contre si j'aurais pas le bâtiment nul, genre la champignonnière. Parce que par exemple, justement, si vous avez la champignonnière, ça fait partie des bâtiments intéressants à faire sauter. Parce qu'elle a un coût d'entretien qui est quand même assez élevé. Tu fais quoi toi d'ailleurs? Ah oui, tu fais... ok. Bah vas-y, fais, hein, je t'en prie. Je ne te retiens point. Amuse-toi bien. Oui. Tu veux manger, toi? Oui, c'est pas déconnant. Ça sert à rien que je te le fasse. Ça, c'est un coup de 30. 180, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça sera toi. J'achète. Beaucoup de planètes qu'il faut que je prenne maintenant. Hein. Beaucoup, beaucoup. Faut envahir un peu l'espace, hein. Je sais pas d'ailleurs où est mon éclaireur. Je ne sais pas où il est, où il se trouve, mais... il doit être quelque part. Je pense que la réponse est quelque part. Et je pense vraiment que c'est la bonne réponse. Vous êtes toujours sur des projets tranquillou pépère pour l'instant. Le moins 5 en pollution, très appréciable. Je pourrais te demander de construire des flottes de navires absolument impressionnantes ici. Vous êtes au maximum de votre population. Ça, c'est très important de le noter. On est au 0, 9, tac, tac. Voilà. On est à la perfection. Là, par exemple, une usine d'enrichissement du sol,
même si elle me coûte de l'argent, me libère un citoyen. Puisque lui, il produit 3 et qu'ils seront plus que 3, mais à produire du 5. Du coup, c'est très intéressant. Ça me libère un citoyen que normalement je pourrais mettre éventuellement en prod, ce qui ne sera pas le cas puisque ça me coûtera trop d'argent. Enfin, ça, je commencerai à polluer. Mais je vais pouvoir le dégager et le mettre en recherche. Donc j'accepte de perdre un peu d'argent pour gagner 4 en recherche. Chez vous, vous êtes des tout petits nouveaux, c'est ça? Alors vous, par contre, le plus simple par case, ouais. Vous, complètement. Hein. Complètement. Mais mon pote Caillou, je vous avais dit que c'était mon pote Caillou. Hein. Je vous avais vraiment pas menti, c'est vraiment le pote, le Caillou. Caillou, c'est ton meilleur pote. C'est le mec sympa... que t'invites toujours, partout où tu vas, parce qu'il est trop sympa, voilà. Et ce qu'il faut retenir du pote Caillou, c'est qu'il est trop sympa. Voilà, c'est tout. Un citoyen aussi ici, go achète. Et le Bulratin m'a rien dit, je suis choqué. Je suis franchement choqué. Je suis franchement étonné. Mon univers tout entier est tombé à un niveau de sécurité de 1. Vraiment? Genre vraiment de chez vraiment? Niveau de sécurité des colonies, 6,0 machin. Agent contre espionnage, plus 5%. Total 11%. Ouais, on est peut-être un peu léger. C'est vrai qu'on est peut-être un peu léger. Parce que, du coup, il y a beaucoup de colonies. Même s'il n'y a pas beaucoup de citoyens sur certaines d'entre elles, il y a beaucoup de colonies. Sur les méclats. Vas-y, tombe-leur sur la gueule. Ça me va très bien. Le pacte est terminé avec les Élériens. Allons voir les elfes. Yo. À mon ami maintenant. Genre maintenant, on est potes. Toi et moi, genre, on est potes. Donc, il te manque des thunes. Arrête de chuchoter dans mes oreilles. Ça m'empêche de compter les sous. Fais pas ça. Easily. What is your proposal? Proposition commerciale. My pleasure. Ok. Nice. Et tu sais quoi, je vais même te montrer que je suis sympa. Voilà. Ajouter la microbiotique. Offrir. Easily. C'est mon cadeau. Goodbye then. Voilà, salut. Ah ouais, le cochon, c'est aussi ton meilleur ami. Tant qu'il peut coloniser tout ce qu'il veut, c'est ton pote. Nous ici on fait pas la guerre, on n'a pas le temps pour ça. C'est trop fatigant. Ouais. Enrichissement du sol. Faites ça. Vous allez être au max, il faudra que je vois midi à ma porte, littéralement. Il faudra que je vois un peu comment ça se passe. D'ailleurs, est-ce que je vous montrerai pas d'abord au max de population et genre vous me refaites un vaisseau colon derrière hein. Et ouais. Ce serait pas déconnant non plus. Parce que même si je crois que c'est celle-là qui est pas très intéressante. Si, celle-là est intéressante. Ça prend que 9 citoyens, mais c'est une faible gravité, c'est du facile d'accès. Alors que là. Voilà aussi, elle est intéressante. Mais bon, c'est de la gravité normale. Bon, après, j'ai les moyens de payer tout ce que je veux. Je paierai tout ce que je veux. Y'a pas de problème. Pas de problème. Encore du travail. On se dit go une petite terraformation les gars, genre on est sérieux chaud comme ça? Ok. Bon, si on est sérieux chaud comme ça. 3 tours, 2 tours. Ouais, ça fait pareil. Je gagne un peu plus de tours à le mettre en prod. Autre chose. Alors ici c'est la grosse grève, c'est ça. Ok, grève de la faim. Ok. Faites-moi ça. Voilà, je vous l'achète. Vous êtes content. Ici, on a un gars solo cul. Il sait pas quoi faire. Ils sont merde. Je paye ça. Et ici aussi on s'emmerde. Par contre, je ne peux pas te le payer, c'est ça. Eh ouais, je ne peux plus payer. Je n'ai plus d'argent. Je suis trop pauvre. Vous voyez, comme quoi tous ces traités commerciaux, finalement, causent ma ruine. Incroyable. Your crew descends to investigate. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Alors ça. Ah les gars, vous êtes à 11 sur 11. Donc, cassez-vous. Casse-toi. Dégage. Barrez-vous. Et voilà.
On est au zéro, on est au zéro parfait. Voilà, moins 45 de pollution. Très bonne planète finalement, pour l'instant, puisque je suis en train de la terraformer. Après, ça va être comme les grosses planètes, ça va être le bordel. Ça va être très intéressant. Toujours très intéressant le gros bordel. On n'a plus de problème de. Ouais, on n'a plus aucun problème nulle part, ça c'est cool. Il y en a beaucoup qui ont atteint leur population max. D'ailleurs, si Ixion se porte si bien que ça, ils vont pouvoir peut-être me faire le prochain vaisseau colon une fois qu'ils auront terminé leur terraformation. Ça se fait aussi. Ça peut se faire aussi, tout du moins. Café froid, c'est ça le projet? Ouais. Tiedas, quoi, hein. Café Tiedas. On est très fan du café froid et Tiedas, hein, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Hein, parce que si je le remets à réchauffer, je vais l'oublier, il va cramer. C'est génial. Vive le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on ferait sans le jeu vidéo finalement? Toi, va là-haut, parce que visiblement on pollue, comme jamais. Ouais, j'allais dire, on est où ici? Gnoll 2, ok, d'accord. Ok, Gnoll 2. Ok, Gnoll 2. Ok, Gogol. 5? On peut en faire que 5. Bah vas-y, fais-en 5 alors. Attends pas que... Hein? Voilà. Je sais pas pour combien de tours il y en a, mais je pense qu'il y a de quoi les occuper pendant un certain temps. Alors c'est pas forcément intéressant de les faire 5 par 5 comme ça. Le seul truc, c'est que ça va me permettre de déménager tous mes officiers en même temps, et tous les remettre en même temps, et voilà. Et je crois que je peux pas en faire plus... je crois qu'on peut jamais en faire plus de... Si, on peut en faire peut-être plus de 5... Je crois que je dois être limité par mes points de commandement, là. D'ailleurs, si je veux pas être trop limité par mes points de commandement, il va falloir que je commence à mettre des vraies bases. Ouais, faut que j'y pense à ça. Faut ça mettre des vraies bases. Go, ouais, vous allez faire ça. Ça va être bien. Ça va éviter les futurs problèmes. Toi, tu manges. C'est bien. Ta vie est cool. Ta vie est extrêmement cool. Je sais pas quoi te dire. J'ai envie de te dire, fais des trucs. Après, j'ai presque envie de te dire, fais ce que tu veux. À ce niveau-là, vas-y, amuse-toi bien. Voilà. Fais ton usine de robots. Quelle flotte t'attends? Ah oui, t'attends que je te dise de... Ok, vas-y, fais ça. Mais non, fais pas ça. Faux. N'importe quoi. Viens ici. Viens ici. Je te dis n'importe quoi, mec. Ah, j'ai oublié d'acheter la petite... j'ai oublié d'acheter la petite usine ici. Du coup, on est bloqué. Ah là là, c'est incroyable. Les gens meurent de faim, tout ça. C'est terrible. Les enfants sont morts-nés, tout ça, tout ça. Non, peut-être pas non plus. Planète qui se porte relativement bien, d'ailleurs. Ouais, mais Ricageuse, la seule particularité, c'est que t'es pauvre. Tu produis rien, quoi. Mais j'ai un petit bonus de recherche. Ce qui est pas dégueu. Une petite planète qui donne de la recherche. Toujours plaisir. Voilà. On a 3 sans aucune structure. Non, on a 2 normalement de base, c'est ça. Ouais, 2. Plus simple parce que la petite ferme. Parce que la petite ferme. La tiote ferme. Et l'éclaireur qui vient seulement d'atteindre la bordure de notre espace. Seulement là. Genre, juste seulement là, quoi. Ah, c'est... pollue encore? Vraiment? Ou c'est en train de se réduire? Et en fait, tu veux pas me le dire. Ah oui, quand même... Ah oui, je vous ai quand même donné du boulot pour un moment, vous. Non, je dois avoir des petits pics de pollution très vilains. C'est très vilain. Voilà, moins 4. Ouais. Choisir une techno. Ah bah moi je prends celui-là. Coûte plus cher mais... Enfin ça coûte cher mais... le plus ça encore par cellule et plus de... Là ça fait des grosses différences. Là si vous avez les deux structures qui donnent le plus ça par cellule, là ça fait beaucoup de différences. Vraiment. Et là ça commence à pouvoir devenir rentable de dégager des mecs. Et même pour Gnoll 2. Transformation idyllique. C'est pas déconnant. Et ça c'est quoi? Ah oui, l'unique dans l'Empire. Vas-y, je le prends. Vas-y, je le prends. Vas-y.
Donc là, par exemple, ça me donnerait plus 2 de boue et plus 1 par cellule. Donc ça me fait déjà du 2, et plus 1 par cellule, ils sont 3. Donc j'aurais même une croissance en enlevant le dernier gain. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas déconnant. Mais c'est pas réellement ce qui va m'intéresser. Y a rien qui m'intéresse vraiment tout de suite. Ça, je pourrais le faire, mais quand on sera... T'es déjà en idyllique, toi? Non, t'es une terrienne, hein, donc elle est pas encore idyllique. Il va falloir que je la terraforme un coup, et j'aurai le droit, normalement, à plus de citoyens. Et là, du coup, ce sera intéressant, puisque même sans... même pour être stable, il me faudra sûrement au moins 4 gars. Donc là, avoir vraiment du plus 1 par case, ça fera vraiment la différence. Voilà. Voilà, voilà. Pour Parmac 2, c'est fait. Alors, pour toi. Oh, c'est quoi ce 6 de pollution moche que je vois, là? Viens. Casse-toi, toi. Tire-toi. À 22, on terraforme. En même temps, plus 6 à 4 tours, je le prends tout de suite. Hein. je le prends vraiment tout de suite, quoi. Toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire? Du plus 2 de prod, ou du plus 1 par case et plus 2 de prod? Ouais, le moins cher des deux pour l'instant, parce qu'il n'y a personne qui travaille dessus, en attendant. Et là, première vue, pollution. On a dit... Ah oui, moins 4, ça y est, j'ai déjà pré-réglé le truc. C'est vrai. Des petits soucis liés à notre population extrêmement grande. Extrêmement grande. Oui, il y en a peut-être une qui va terminer sa terraformation un jour, non? Ah oui, tu fais du crédit, j'allais dire, comment ça tu... comment ça tu fais une terraforme pas, là? Tu fais une terraformation à zéro? Est-ce que t'as vu jouer ça où? Dans quel James Bond? Raconte-moi, tout ça, tout ça. Ok. Donc t'es toujours tout seul, tu vis ta petite vie, voilà. Voilà pour toi, et je te le paye en plus. Ah, grand luxe! Sur Rebarus 3, grand luxe, quoi. Tout bosse pour le mec, quoi. Ok, vite fait, il bosse un petit peu, tu vois, il ramasse une patate de temps en temps, parce que je crois que t'as vraiment une croissance nulle. Tout seul, je crois que vraiment, il fait du 1 sur sa case. Il fait vraiment rien, et en fait, c'est toutes les usines autour qui bossent, quoi. Et il fait rien, il se ramasse sa propre salade, tranquille. Cultive ses petites truffes. Peinard. 42. J'ai lancé un projet un peu long que je peux pas payer, je crois, ici. Genre robot. Filtrer l'Empire, bravo. C'est ça, j'ai lancé les robots chiottes. Tac. Attends, quoi? Nous avons dérobé des informations relevant de toutes les colonies. Ah, des silicoïdes. Ok, très bien. Très très bien. Eh ben, espionnage. Tu bacs à la maison. Toute progression dans la mission actuelle sera perdue. Oui, oui, vas-y, vas-y, un backdash, hein, mon pote. Hein. Voilà. Backdasher tous les deux. Y a pas de problème. Je vois toutes les planètes de tout le monde, de tous ceux que je connais, et c'est bon. Et y a pas de problème. Déplacez-vous pour les autres, je sais pas ce que vous foutez, mais déplacez-vous. Ok. Donc, ici. Ici, vous êtes très très beaucoup nombreux. Mais genre très très beaucoup nombreux, et vous genre très très pollué beaucoup. Ce qui est un gros problème. Puisque du coup, vous pouvez très très pas du tout produire. C'est un gros problème. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous arrivez à saisir l'entièreté du problème technique que nous rencontrons avec votre colonie. Faisons cela. Plus de bonheur. Be happy, mon pote. Le BIP style, ok. Ok. Non, voilà, recycle-moi ça. Puisqu'on va le construire à la nouvelle frontière, évidemment. Trop bien. Trop GG. Voyons que les cuirassés, ça coûtait un bras. Hein. J'avais oublié que ça coûtait aussi cher. Ouais, vivement qu'on ait la terraformation, hein. Ou alors les 12 000 qui me demandent, hein. Je crois que c'est 12 000 crédits qui me demandent, un truc comme ça. Je pourrais obtenir en vrai, hein, si j'arrêtais d'acheter des gros bâtiments bien chers sur des petites colonies que j'ai laissé bosser un peu
Parce que de toute façon, à partir du moment qu'il commence à être 3-4, ça commence à bouger tout seul, quoi. Il me demande encore plus de 10 000, presque 11 000. Donc, ouais, ça fait un billet. Et ouais, toi par contre, je vais accélérer ça. Alors, ok. Disons-nous, ok, par exemple. Vous êtes 8 sur 12, vous pourriez être plus nombreux. J'ai bien envie de vous dire, faites ça, les gars. Ça vous prend 13 tours, ça prend un peu de taf. 1 de pollution. Voilà. Vraiment, le 1 de pollution qui te pourrit l'existence, là. Vas-y, fais-moi du 1 de pollution, je m'en fous. Faites ça en 2 tours, de toute façon. On en cause ou pas. Ok. Bon, bah, ça meule pas mal. Du 700 dans... 700 par tour. C'est pas mal en sous-sous. Mais ça pourrait être mieux. Tant qu'on n'aura pas des vraies planètes avec des vrais citoyens là, sur les dernières qu'on a fondées, les 3 dernières planètes qu'on a fondées. C'est-à-dire sur Cursa Prime, Midaf, même là à Vox, hein, ils sont rien, ils sont encore 3 pélos, ils sont même pas encore 4. Là sur Ebarus aussi, faut que ça se bouge un peu. Là ils sont ouais, 4, ça doit commencer à pas être trop sale, moins 2 crêtes, bon voilà, c'est pas encore Byzance, mais ça roule. Ça roule encore pour l'instant. Qui que quoi. Sur Varak 3. Vous êtes 12 sur 13 évidemment. On en est au moins 10 en pollution, donc on est bien. Pas de problème. Ça on verra pour plus tard. Fais-moi des crédits en attendant. Ah ou non, bah sinon. Combien de temps tu fais un colonial? 6 tours. Et dans 3 tours, vous êtes au maximum de votre population. C'est très bien. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait, monsieur. Donc là, on est au plus 0 officiel en pollution. C'est un peu dangereux. Je voudrais vraiment qu'on ne produise pas de pollution. Pour... Ah oui, mais je crois qu'on produit pas de pollution pendant la terraformation. Terraformer. Vas-y. Go. Alors, ok, t'es tout seul à produire moult boufferie. Moult boufferie et moult bouffasse. Non, je te l'achète pas. Hein. C'est bon. On n'est pas pressé là-dessus. On n'est pas pressé. T'as déjà tous tes bâtiments de prod en vrai. Il n'y a plus qu'à attendre ta population. Prod des nourritures qui coûtent toujours un peu cher, mais voilà. Ça booste le démarrage. Sur Vox, ils vont passer 4. Quatrième Gus qui arrive. C'est pas trop tôt. 8 à Echler quand on aura la technologie. Donc ça, c'est pas mal aussi. 3 tours. À Rebarus, ça croît vite. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et sur Varak 4, ça y est, ils sont déjà 5. Ok, cool. Cool, cool. Du coup, Varak doit commencer... Varak 4 doit commencer à faire un peu de pognon, non? Ouais, 4 crédits. À partir de 5, on commence à faire du crédit, en gros. Structure de base. Et après, t'arrives à faire du crédit. Vous êtes 14 sur 16 ici, c'est très intéressant. Je dirais bien, faites un épurateur toxique, les gars, parce que vous êtes quasiment rien à bosser sur les projets. Alors, ces projets-là, voilà, 0. Très bien. Et si on fait du 3 de pollution, c'est pas intéressant. Tu feras de la bouffe à la place. Et vous pouvez faire ça. Parce que plus de prod. C'est en fait, tu bosses après pour la prod, quoi. C'est... Quand t'arrives au maximum de ton empire, c'est vraiment en fait, t'es juste là en train de gaspiller ton pognon juste pour avoir de la prod, parce que la prod c'est tout. C'est tes vaisseaux spatiaux, tout ça, et plus ou moins ton pognon quand tu produis rien. Et là-dessus, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que même si un épurateur là va me coûter, je sais pas, je vais dire une connerie parce que j'ai pas vérifié, mais ça coûte ça crédit en entretien pour l'épuration, sauf que ça va me donner 15 de dépollution, donc ça va être, si je décasse bien boosté hein, d'ordure, si je produis du 5 par case, voilà, c'est au moins 3 mecs qui peuvent bosser, et donc 3 mecs qui génèrent 5 crédits supplémentaires chacun, donc du 15 crédits pour 5 crédits d'entretien, donc je génère 3 fois ce que je consomme en coût. Ah, petit bonus, hein. Alors, bonus de crédit ou bonus sur les traités commerciaux. Ah, recruter. Ah, c'est un administrateur. Magnifique. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Vraiment,
Soyez le bienvenu. Qu'est-ce qui fait beaucoup d'argent? Bah, Sictu 2, bien sûr, mais qui est déjà administré, évidemment. Sictu 2, 82 millions de crédits. Hein. Ça rigole pas. Parmac 2, bien sûr, mais déjà administré. Il y a Ixion, qui fait du 60-50 Knoll 2, qui est déjà... Bah, ça sera chez Ixion, sur Ixion 2. Sélectionné. Voilà. Et je crois que je suis arrivé au maximum de mes officiers, là, non? Ouais, 10 sur 10. Va falloir que j'en génère... Je crois qu'il y a une technologie qui permet de nous en avoir un peu plus après. T'es où? T'es sérieux, là? Et je dois me sentir concerné quelque part, là? Ah oui, parce que mon vaisseau est à côté. Wow. Youpi. Bah, c'est les pirates des autres, hein, c'est pas les miens. C'est pas tellement mon problème. Alors, le recrutement et le niveau de départ, c'est inintéressant. Vraiment, ce bâtiment est nul. Je suis désolé, mais en entretien de 5, à moins que t'aies vraiment une armée d'espions et que t'arrives à... Enfin, que tu t'amuses à dilapider tout ton fric dans l'entretien d'espions. Non. Et puis à ce niveau du jeu, je suis désolé, mais mes espions ont déjà du niveau. Si je voulais, ils auraient déjà tous du niveau. Ils seraient déjà tous niveau 5. Qu'est-ce que je m'en cogne? Donne-moi un recherche par cellule de plus 2. Plus 2, les gars! Ça, c'est un bonus! Ça, c'est un bonus! L'exportation, exporter la prod. C'est pas dégueu. L'administration de planète qui permet de déplacer la nourriture et tout le bazar. C'est nul, ça sert à rien. Réseau de sécurité, encore de 10%, c'est pas mal. Vaisseau colonial avancé, pourquoi pas. Ça. Plus de terraformation. Là, je veux. Prochaine session, on terraforme tout. Tout. Les planètes qui étaient déjà, intéressantes, on terraforme. Voilà, ça y est, regarde, là, c'est parti, on lance les terraformations. J'en ai plus rien à foutre, on terraforme. Là, on peut plus manger, c'est la merde, faut payer en crédit, au secours, à l'aide. Voilà, bref, c'est nul. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Master of Orion, et je vous dis à la prochaine. Ciao.